Mon micro attire son attention aussi. Oh non, il me voit! Salut tout le monde, bienvenue chez I Am Here, ici Dion. Cette semaine, on va jouer à Escape the Iwoki. Un jeu sur les woke, j'imagine, où il faut qu'on s'échappe. C'est un jeu d'horreur. Et cette semaine, enfin un jeu d'horreur, parce qu'il faut pas ramasser 7 pages ou 7 photos coquines. C'est mieux que rien. Mais bien, un jeu d'horreur où est-ce qu'il faut qu'on se cache, puis on s'en sortira pas. On peut toujours pas se défendre. Puis une chose super spéciale qui m'intéresse, c'est un des succès les plus difficiles du jeu, c'est de jouer pendant 5 heures. Quand le fait de jouer longtemps à ton jeu, c'est une difficulté, c'est jamais bon signe. Bref. Ah, Escape the Iwoki. Le jeu utilise le micro, je vais essayer de pas faire trop de bruit pour pas attirer le monstre. Déjà une ambiance horreur incroyable. On a de la house ambiance music en arrière-plan. On s'en plaindra pas, c'est déjà mieux que rien. On va y aller à la normale. Jamais trop se compliquer la vie, mais pas trop facile non plus. Ah, déjà l'horreur. On vit dans un petit appartement. Puis on dort dans des sacs de vidange. Avec un beau dessin d'Orochimaru sur le mur. Chapitre 1, la chose dans le couloir. Une autre chose effrayante, ça. Oh, ça tourne vite, hein? Wouh! Attends, quand c'est sur pause, c'est pas vraiment sur pause. C'est bon. Aidez-moi. Il mange lait. Oh, j'aime déjà pas ça, oh my god. Oh, c'est horreur, mais c'est à la... Ah, c'est mon sac de vidange. C'est mon cocon. Peut-être que j'étais juste une chenille, en fait. C'est mes jouets pour enfants, ma télé cathodique des années 2000. Même plus vieux que ça, des vieux boutons sur une télé comme ça. Qui, de nos jours, se souvient de cette époque? Personne. Oh, c'est la lumière. Non, parce que je suis sous les tables. Je suis pas sûr qu'avec la chandelle, par exemple, ça donne grand-chose. Tiens, je veux abandonner la table. Alors, dès qu'on s'approche, on s'en va en dessous. Peut-être pas la meilleure chose non plus. Oh, damn! Ok. Ok. On est à l'envers. Tiens, c'est bon, ça. Je peux surfermer la porte? Ouais, évidemment. C'est donc à la Amnesia. J'ai déjà les yeux secs. Oh non, pas plein de télé. On vit dans la maison d'un brocanteur qui fait des potions. Je sais pas quel genre de malade nous a enfermés. Attends. Je sais pas qu'est-ce qu'on cherche. On cherche la sortie. C'est vrai, c'est un escape room. Oh, damn, j'ai couru. Ah, la flashlight, elle nous aide pas beaucoup. Est-ce que je peux pas jeter ça par terre? Oh, damn, je peux pas le jeter si violemment. Ah, c'est un rat. Est-ce que c'est une métaphore? Je suis nerveux, là. Je sais que je peux pas mourir dans la vraie vie, mais on sait jamais, tu sais. Faut que j'essaie. Ah, ils sont pas stressés. Qu'est-ce que tu fais, petit bonhomme? T'es debout comme ça. Tu vas fuir. Fuir, Ratatouille. C'est quoi son nom dans le film? Est-ce qu'ils sont toujours bloqués? Je sais pas. C'est de leur abcès? Tiens, on va aller prendre le chemin le plus compliqué. Car c'est ce qui nous intéresse. Can't open. La bibliothèque est tombée? C'est pas faux au niveau, ça. Maybe I can find something to reach up there. La barrette. Qui fait la voix de personnage? Un gros bébé? As I told you before, I'm really worried. Once you're in, you can't get out. At least, not alive and well. That's a risk I have to face. I'd rather die with the ones I love than kill it all of them.
Oh. I really hope those guys aren't what I think they are. Gaz? De l'eau? Places. Broken. Est-ce que je suis revenu sur mes pas? On dirait que oui, non, je sais pas. Est-ce que je peux me cacher dans les placards? Non. Ah, toujours mieux ça qu'un jeu où est-ce qu'on cherche des feuilles encore. Ah, c'est cette porte-là qui était pas ouverte avant. Je sais pas. Honnêtement, je suis déjà perdu. Ah, j'ai un léger sentiment comme quoi je peux passer par là. Je pourrais pas revenir en arrière. C'est un singe? C'est quoi, c'est un homme? Qu'est-ce qu'il fait? Il danse? Je l'ai attiré avec ma lumière. Oh non! Il écoute de la... de l'electro dance music. Est-ce qu'il est parti? Je comprends, moi aussi j'aurais eu peur de moi. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Y a-t-il un rat? Oh non, c'est qui? On dirait Johnny. Oh non, Johnny! Non, s'il te plaît, regarde pas sous la table, Johnny! J'ai des oeufs si chauds! Rien à signaler. Aucun problème à voir ici. Là, y'a-tu un rat en plus? Ah, y'a-tu des clés? C'est son repère. Bon, je sais pas. On prendra pas de chance. Oh no. Ah, je peux juste prendre soit les clés, soit l'autre. Bon sang, c'est quoi? On joue un manchot? Miaou! Je suis un chat. Je me cache sur l'étagère et tu ne me vois pas. Oh my god, là j'ai eu peur pour elle. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis pas capable de retourner de l'autre côté. Est-ce qu'il me voit? Je pense... Écoutez, je pense qu'il me voit. Je pense qu'il sait que je suis là. Je pense qu'il est fâché. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on est censé jouer. Ah, merci. Oh non! Oh non, Michael Jackson m'a attrapé! Hi-hi. Vous êtes mort, essayez encore. Bon, on va lui donner une autre chance. Une autre chance parce que mon précieux cœur ne survivra pas sinon. Ah yes, c'est une sauvegarde automatique. Est-ce que j'ai re la clé? On va se cacher comme un petit chat. Je comprends vraiment rien à sa façon de... Oh non, nickel! J'étais sûr que j'étais hors de portée. Oh my god, c'est terrible. Ok, c'est bon. On est correct, là. Son regard automatique, tout est bien. Cette technique-là pour attirer son attention ailleurs. Je vais prendre pour acquis qu'il me voit pas. Il sait pas que je suis là. Je suis assez sûr qu'il sait toujours pas que je suis là en fait. Le vrai horreur, c'est le son. Oh non. En plus, il y a des dents. Il y a des dents de. Des dents de végétarien. Il y a pas des dents faites pour manger de la viande. Ah, les clés sont là! J'ai pas besoin d'attirer son attention. Ah non, c'est vrai, je peux pas tenir tout en même temps. Merde.
juste marcher à quatre pattes. C'est vrai. Mon micro attire son attention aussi. Oh non, il me voit. Oh. Je suis un idiot. J'avais oublié que le son prenait en... J'avais oublié que le jeu prenait en compte le son de mon micro. Je vais fermer ma gueule 2 secondes. Y'a rien ici. Et comme ça, j'ai aucune information sur où est-ce qu'il est. Le petit, petit Michael. Où es-tu, Johnny Michael? Pas là. Tu me stresses, Johnny Michael. Encore. Tu chantes. Yeah. Je crois pas qu'on va s'en sortir. Hein. This looks familiar. I feel like I've been here before. Am I going in circles? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai appuyé sur échappe, ça l'a fait disparaître. Pour plus de codes de triche, n'hésitez pas à suivre mon channel. I am here, code de triche. On n'en voit rien. Ah. Ah ah. Fallait monter extra gamma au maximum. Qui l'eût cru? Ah, il est là-bas encore. Bon sang, Michael, t'abandonnes pas. Pas jouer la guitare. Bon sang. On peut faire plein d'autres choses avec une guitare. Oh god. C'est pas clair son pattern par exemple. Je sais pas comme... Est-ce qu'il faut que je me cache? Je ne dis pas où aller. Oh non! Ah, finalement, escape, ça le fait pas disparaître. Mais quand je suis sur une chaise, tu viens pas me chercher. T'es coincé? On va rester là d'abord. Ok! Si t'attaques pas à ton public, c'est quoi qui se passe? T'es gêné. T'es dans la porte aussi, je crois. Qu'est-ce que je suis censé faire avec un pied de biche de toute façon ici? Give me the heebie-jeebies. I just want to go home.
J'ai compris, moi aussi je viens d'aller chez nous. Tu m'as senti? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux t'avaner? Tu veux montrer ton booty? Qu'est-ce qui se passe, Michael? Bon, me rendre stressé, tu fais pas grand chose finalement. Boiter aussi. Parti par là, je vais prendre un gaz puis aller de ce côté-là. Ah ah! C'était donc ça la clé et c'était juste un raccourci, t'es sérieux? Oh non! J'imagine qu'il me faut l'acrobat. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec une crowbar? Est-ce qu'il y a un trou dans le fond de mes pièces? Je sais pas, on va savoir bientôt. On va se coucher là. Tiens. Est-ce qu'il va venir ici? Est-ce qu'il est pas capable d'ouvrir les portes? Ce serait pratique. Pas pour lui, mais... Oh non, il est capable d'ouvrir les portes! Oh non! Oh non! Il claque ses dents ensemble. Ah, ça m'a donné un frisson. J'ai fait un terrible dessous. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça s'appelle Escape the Ayuwoki. Est-ce qu'il faut échapper aux personnes qui sont woke? Je sais pas, c'est quoi l'Ayuwoki. Je vous laisse sur cette énorme musique. Puis je vous dis à la prochaine. Un gros merci d'avoir été là. Ciao, bye.